Ouais, en vrai, vaut mieux prendre ça. Mon affliction instable affiche 15 dégâts, 15% de dégâts supplémentaires. Et ça passera à 30 au... la prochaine fois que j'aurai un point à mettre. Et il y aura un dernier point à mettre, de toute façon. Ok. Je vous remercie d'être venu. La vengeance est un plat qui se mange bouillant. Attendez, excusez-moi. Les primalistes ont réussi à nous prendre par surprise. Vélomir crache de dégoût. Les autres gardiens et gardiennes ont succombé à ces monstres. Je serais moi-même tombé à leur côté si vous n'aviez pas, si vous n'étiez pas arrivé aussi opportunément. Mais j'entends encore les fracas des armes qui résonnent au loin. Cela signifie-t-il que certaines de nos troupes résistent toujours? Peut-être le commandant Eranog s'en est-il tiré? Accepteriez-vous de m'aider en créant une diversion que je puisse m'approcher discrètement? L'élimination d'une poignée de ces magaliges, devrait suffire. Tuer 12 magmaliges. Ok. Nous devons continuer. Brouillard de guerre. Les primalistes ont attaqué par surprise. Mon unité a tenté de trouver notre chef, le commandant Eranog, de l'autre côté de la garnison. Mais les troupes adverses nous ont barré la route. Le chef de mon unité, le sergent Tagrik, a repoussé trois primalistes à lui seul, tandis que Kaora, Mikor et moi nous battions à ses côtés. Leurs cris sont la dernière chose dont je me souviens avant de perdre connaissance. Je vous en conjure, elfe de sang, voyez si vous trou pouvez trouver une trace de mon unité et revenez m'informer du sort de mes frères et sœurs d'armes. Ok. Je vais me frayer un chemin jusqu'au pont, au centre de la garnison. Rejoignez-moi quand vous aurez fini. Je crains déjà de ne pas avoir une bonne nouvelle. Oh. Alors pareil. Ah d'accord, il est dans le coin. Il est où? Non. Ah mais qu'est-ce que je fais moi? Chaque fois j'appuie sur 0, mais il appuie sur 9.
Il est en haut. Ok. Merde. Non, il est pas là-dedans? Ah, j'étais sûr qu'il était là-dedans. Ah, il est là-bas, ok, d'accord. Enfin, le. Bon, je sais pas où est le. L'élite. Bon, bah voilà, comme ça, je me suis fait tous les primalistes. Il est où le mobélite là? Il est en bas? Ah! Ça avait l'air d'être lui. Bon ben, je sais pas. Ah bordel, c'est en haut. Faut que je remonte. Est-ce que j'aurai assez? Non, j'ai pas assez. Comment je suis monté la première fois? Je me souviens plus. J'étais venu en vol. Merde. Ah bon. Non, bon, heureusement, ça se recharge vite. C'est bon.
Ouais. Voilà. Content de vous voir. Nous devons. J'ai perdu mes meilleurs éléments. Nous devons continuer afin de voir si le commandant Eranog a survécu. Rassemblez tout le matériel que vous trouverez. Nous en aurons besoin. Tant que mes camarades ont trouvé la mort au combat, de grâce. Attends, de mes camarades, pardon. De grâce, récupérez leur chevalière personnelle afin que leur nom ne sombre pas dans l'oubli. Procurez-vous 8 chevalières de la garnison du Bastion Sud. Les primalistes doivent être éliminés. Ok. Cette lance semble en bon état, ce qui n'allait pas de soi au vu du sort qu'a connu son ancien propriétaire. Le gardien Velomir vous demande de lui procurer du tout le matériel qui pourrait être utile. Peut-être pourriez-vous trouver d'autres lances sur les Magmaliges. Oh. Ah, c'est un bijou. Ouais. Ouais, si on veut. Cette bobine de corde lourde semble en bon état. Le gardien Vélomir vous a demandé de rester à l'affût des matériaux utiles. Bon. Je dois m'approcher. Ah.
Ah. Oh, ça sent la merde, ça. Oh, mais ça sent la merde, ça. Non, ça va. Je gère. Enfin, je maîtrise cette classe tellement mieux que mon mage. C'est ouf. Sans déconner, là, avec mon mage, je serais mort. Ah, si, j'ai oublié de looter le dragon. Hein. Enfin, looter. Ok, 5 sur 8. Je suis désolé, hein, je donne peut-être l'impression de boire beaucoup. Mais j'ai toujours cette dent qui me fait mal. Et l'eau dessus, ça me fait du bien. J'ai rendez-vous chez le dentiste, mais vous savez ce que c'est, hein. Les délais sont longs. Je vais devoir attendre 2 semaines. Avec une dent qui me chatouille de temps en temps. Et ça me chatouille davantage en plus quand je parle. Ce qui est pour les vidéos, je vous avouerai, est pas trop cool, mais j'ai envie d'avancer dans Dragonflight. Bon, les cordes, c'est fait. Il me reste encore 2 lances et 2 dragons à trouver.
plus qu'une lance. Je suis hors de portée. Ok. Alors, je suis emmerdé. Les deux dragons en question, je ne vois pas où ils sont. Je vais un peu trop vite. Puis j'ai plus d'énergie. Dès que je vole un petit peu trop comme ça, un peu de façon chaotique, mon PC il en peut plus. Hein. Il monte à 95 degrés, j'ai les ventilateurs qui se mettent à fond. Et pourtant il est dépoussiéré. Hein. Je vais monter les escaliers davantage. Peut-être un dragon que j'ai pas vu tout en haut. Ouais, parce que ça va jusque là. Ouais, c'est ça. Ok. Non, je l'ai. J'ai récupéré son. D'accord. Alors me voilà bien emmerdé, ce seraient les deux derniers dragons qui me manquent et je peux pas récupérer les chevalières. Qu'est-ce qui se passe ? Bah, je me pose la question. Les primalistes doivent être éliminés. Alors, excusez-moi, je vais juste m'absenter une toute petite seconde, je reviens. Je vais me prendre un Dafalgan. Bien, je suis de retour. Alors. Nous devons continuer. Bah, je sais pas trop quoi faire du coup. Est-ce que je peux le reprendre lui? Bah, je crois que je vais devoir reprendre la quête. Abandonner et reprendre la quête. Parce que visiblement, c'est buggé. Je vous remercie d'être venu. Ah bah là, c'est encore pire.
Parce que... Ah, alors ça va peut-être m'aider. Ok, alors là, faut qu'on m'explique. Il y a une réinitialisation des PNJ, mais le... Bon, ok, d'accord, okay, j'ai compris. On recommence une nouvelle fois. Il y a une réinitialisation des PNJ juste après que j'ai re reçu la quête de coup. Abandon, oui. On la reprend une nouvelle Content de vous fois. voir. Salut. Et ils ont disparu. C'est super. Et un reload ne résout pas le problème. Ok. Je reviens. Ok, j'ai relancé le jeu. Apparemment, les dragons sont réapparus. Alors, je vais prendre mon dragon bleu par contre, et puis on va essayer de faire ça vite. Évidemment, mon marcheur a disparu, sinon c'est pas drôle. Allez, occupe-les. Ah non! Ah non, c'est pas vrai! Oh, j'espère que ça va pas me faire bugger. Ah, je peux pas le faire en combat. C'est ça le truc. Je crois que c'est ça le truc, c'est que je peux juste pas le faire en combat. Non, non, ça buguait. Non, non, c'est buggé. Si je suis interrompu, je peux plus prendre les. Je peux plus prendre les dragons. J'ai plus l'interaction qui apparaît. Mais c'est quoi cette merde? C'est quoi ce bug? À quel moment ça arrive ça? Ah, attendez, 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 attendez. Non, alors par contre, si c'est ça, je reviens. Je vais relancer le jeu une nouvelle fois. Bien, excusez-moi, c'est un petit peu long. J'ai dû relancer le jeu plusieurs fois, c'est buggé, hein, mais c'est bon, j'ai réussi à récupérer 8 chevalières sur des dragons. Il est possible aussi que ce soit BBS qui. Enfin, BBS, n'importe quoi. OBS. Qui est posé problème, hein. C'est pas impossible non plus, hein. L'explication n'est pas à exclure. Content de vous voir. Avec les lances et la corde que vous avez récupérées, nous pourrons bientôt empêcher les primalistes sans vergogne de régler sur les cieux. Excusez-moi, je rebois un coup parce que ma dent, malgré le doliprane, ne m'a pas aidé. Je suis désolé, cette session de tournage est un petit peu compliquée. Hein. Ouais, c'est ça que je voulais juste avoir. Ah, puis j'ai des 2 et 8 de terre. Ok, d'accord.
En haut des marches, vous trouverez une plateforme avec plusieurs scorpions de siège. Installez-y la corde et utilisez les lances comme munitions. Cela vous permettra d'abattre les dragons magmatiques en plein vol. Une fois que vous aurez éliminé le chemin, les aurez éliminés, le chemin jusqu'à la flèche sera entièrement dégagé et nous pourrons continuer à chercher le commandant Eranog. Ok. Je vais continuer à chercher le commandant dans la tour pendant que vous occupez les primalistes. Là-bas? Ok. Bah, ça tombe bien, j'ai eu le temps de me recharger entre deux. Voilà. Hop. Ok, bah nickel. Ah. Alors. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Ok. Alors, il semblerait qu'il y ait... C'est buggé. Je peux pas lancer de sort. Je peux pas appuyer. J'ai beau appuyer sur 1, y a rien qui part. Et je peux pas quitter le. Je suis désolé, hein. Franchement, cette partie de tournage est compliquée. C'est bon. Là, je peux tirer. Objectif atteint. C'est cool. Du coup, je vais devoir réinvoquer mon marcheur. Par ici, j'ai trouvé le commandant Eranog. Je vous remercie d'être venu. Non, c'est pas. M'intéresse pas. Ce que je veux, c'est la couleur noire. Je veux la couleur noire. C'est ça que je veux. Je veux peindre mon dragon en noir. Je veux refaire la carrosserie. Cette partie de la forteresse est la seule que nous n'avons pas encore fouillée. MDG Normand, si le commandant Enarog est encore de ce monde, c'est ici que nous le trouverons. Oui, bah, il suffit d'ouvrir les yeux, hein, il est juste dans le fond. Allons voir ce qu'il en est. Accompagner le gardien. Ok. J'attends votre rapport. Ah. D'accord, faut que je lui reparle. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ok. Là-bas.
gardes n'ont pas rejoint nos rangs comme nous l'espérions, Eranok. Aucune importance. Qu'avons-nous à craindre de cadavres en devenir? Je vois que vous avez exhumé la pierre de feu. Je perçois d'ici sa force. C'est à présent votre tour d'honorer votre part du marché. Levez-vous. Primaliste, Eranog. Grâce à ce pouvoir, je vais enfin pouvoir délivrer mon peuple du joug des Aspects. Allez-y. Moi, je me charge de réduire en cendres ce lieu corrompu par les Titans. Super, c'était un traître. Je vous remercie. Nous devons continuer. Le commandant Eranog est un traître de la pire espèce. Il a cédé sa place à cette créature. Je sais que vous avez déjà fait beaucoup pour moi, mais je ne peux pas m'attaquer à ce monstre dans mon état. Faites en sorte que la porte du bastion sud ne tombe pas aux mains des primalistes et je ne vous demanderai rien, plus rien. Nous devons tuer leur chef. Je vous en prie, aidez-moi, M. Normand, tuer Serre de Magma. T'as pas mieux à proposer en stuff, sérieusement? Bon, c'est bien parce que ça m'aide au niveau du concordat, hein. Traître, allez régler son compte à la tête pensante des primalistes. J'assurerai vos arrières. Ah bah il est là. Bah, c'est bon, voilà, allez. Hors de portée, allez. Allez, viens là. C'est bon. Là. Ramène-le là. Voilà. Allez, c'est bon, tu peux le rattraper. Sera lente et douloureuse. Je sais. Retourne aux éléments. Et il loot même pas, l'enfoiré. Et tout ça pour 700 points d'XP, putain, il y avait même pas. Il était même pas plus dur qu'un autre mob, quoi. Franchement, t'aurais pu y aller, hein. Ah, c'est pas vrai. Je suis désolé. Excusez-moi, le travail. Ce sont des choses qui arrivent. La menace primaliste est à présent sous contrôle MDG Normand. Nos troupes de Valdraken ne tarderont plus à venir éliminer les retardataires. Vous devriez retourner en ville informer le capitaine Drin, ce qui s'est passé ici avec le commandant Eranog l'intéressera au plus haut point. Merci pour tout, évidemment. Retournez à Valdraken et faites votre rapport. Jamais camarades. Mes camarades ne sont plus de ce monde, mais leur courage survivra dans mon cœur. Ne jamais laisser la sédition gangréner nos rangs. Au revoir. Merci. Si la trahison d'Eranog laissera des traces, nous avons au moins repris le contrôle de la porte du bastion sud.
Ouais, enfin, ça a quand même pris cher, hein. Bon, on a. Est-ce que je prendrais pas le fly? Oh non, on va voler. On va voler, on va voler. Oh bah ça va. Oula. J'ai fait quand même une sacrée chute. Sous ma protection. Accordez-moi quelques instants, je vous prie. Je vous assure que vous ne le regretterez pas. C'est toi le mec qu'on voit dans la cinématique là? Donc tu t'appelles Coranos. Ah, pas sûr que ce soit lui. Ben, en même temps, c'est le seul. Servir l'ordre. Donc si, c'est Pour le bien lui. bien du peuple draconien. Et t'es un titan, c'est ça? Ouais, donc il y a le vol jaune aussi, du coup, qu'on n'a pas vu encore. Mais bon. Je vois que vous avez un rôle à jouer dans tout ceci. Le fil du temps est comme une rivière, il est sinueux et comporte de nombreux embranchements. Parfois, son cours peut être modifié, ce qui crée une anomalie qui, si elle n'est pas résolue, peut nous condamner à une mauvaise ligne temporelle. Nous nous approchons à grands pas d'une telle anomalie et j'ai envoyé Koromu au sable. C'est pas lui? Ah non, non, oui. Donc, Koromu au sable changeant pour mener l'enquête et rectifier la chronologie de la seule vraie ligne temporelle. Je prédis que votre assistance lui sera inestimable. De grâce, aidez-nous en secondant Koromu dans cette tâche. C'est quoi cette histoire de maîtrise du temps là? Rendez-vous dans les sables changeants. Ok. Le seul et unique droit chemin doit être préservé. Ah oui, vous l'avez vu, hein, mais j'ai fait un petit peu de transmo, hein, évidemment. J'ai refait ma transmo, notamment au niveau de ma faux, hein, de Ultalèche. Évidemment. Et vu que j'ai un objet en main droite, j'ai pris cette apparence-là pour mon objet en main droite. C'est léger. Vous savez que j'aime bien avoir une apparence un peu légère, mine de rien. Bon, les pics, ça fait un peu trop, mais j'ai que ça en épaulière qui est vraiment juste au corps. Et si j'ai pas d'épaulière, ça fait vraiment vide. Donc, j'aimerais éventuellement les mêmes épaulières, mais sans les pics. Malheureusement, bon, voilà quoi. J'aime bien que ce soit. Il y ait des fleuritures, mais que ce soit petit, que ce soit discret. Bon. Du coup, on part par là. Ok. C'est aussi pour ça que j'aime bien le dragon bleu qui est plutôt élancé, assez fin et élancé.
Et pas le dragon rouge là qui me paraît un peu. Ok, on va. Voilà. On va prendre un peu de vitesse. Ça passe. Oh, bonjour. Le ciel soit loué. Vous êtes là. Les voies temporelles sont sans dessus dessous. Il va nous falloir toute l'aide possible pour arranger ça. Ah, il n'a pas accepté, excusez-moi. Le ciel soit loué, vous êtes là. Les voies temporelles sont sans dessus dessous. Il va nous falloir toute l'aide possible pour arranger ça. Une dragonne de l'infini cherche à corrompre la pierre de vœux de bronze dans la confluence temporelle. Or, cette pierre incarne notre mission sacrée. Si elle est corrompue, il faudra nous attendre à tout. Y compris... Nous ne pouvons pas laisser cet infini changer Nosdormu en son alter ego ténébreux. Je vais essayer de la retenir pendant que vous aidez Dante à rétablir l'ordre ici. Quel plaisir de vous voir. Aucun problème ne résiste aux marcheurs du temps. Sauf que nous remplis. Tant de livres, si peu de temps. Je serai le nez dans mes livres. Vous savez où me trouver. Bonjour démoniste, vous arrivez pile à l'heure. Les problèmes dans le temple perturbent les voies temporelles et s'étendent désormais jusque dans la vallée. Et pour couronner le tout, un certain nombre de marcheurs du temps manquent à l'appel. Mais c'est quoi cette histoire de contrôle du temps là? Nous avons demandé des renforts, mais l'une de nos dernières recrues n'est toujours pas arrivée. Pourriez-vous partir à sa recherche? Restez sur vos gardes le temps dans la vallée est particulièrement instable et il est difficile d'anticiper les dangers qui nous guettent. Trouvez la recrue en partie disparue dans la forêt. Ondoyante de Taldrastu. Ok, bon. Ça fait... Je sais que vous trouverez les autres et que vous réglerez la question. Rejoignez-moi à la confluence temporelle quand ce sera fait. Nous ferons tout notre possible. Mais que fait Sia Zeratel? C'est bizarre, ça m'indique que c'est... C'est en dessous. Non mais, excusez-moi, à chaque fois j'oublie de sortir de mon dragon. C'est en sous-sol, c'est ça? Ou alors je dois... Attendez. Je crois que je me suis remis les pinceaux. Non? Si, si, non. Si tard, déjà, nous trouverons le temps.
Ah, ok. La magie du temps est... Il y avait... Merci. Ça s'est plutôt bien passé. Un instant, je vous prie. Ma toute première mission, l'énergie temporelle instable s'infiltre dans la forêt. Elle affecte la faune et la flore. Il faut en évaluer l'impact et récupérer cette magie. Vous... Attendez, j'ai perdu ma ligne. Pour que les marcheurs du temps puissent éventuellement l'utiliser. Zera secoue la tête. J'étais en train d'observer un troupeau de vourquins quand un ours rendu fou par la magie temporelle m'a attaqué sans crier gare. J'en ai réchappé de justesse. Pourriez-vous retrouver mon équipement démoniste? Méfiance, cette ours n'a peut-être pas dit son dernier mot. Récupérer le bâton. Ouais, bon, allez, récupérer les affaires, quoi. On forme une sacrée équipe. Je suis toujours prête. On a réussi? Ok, c'est chelou, j'ai l'impression que ça me faisait pas ça au début. Bon, vas-y, si tu vas le distraire hein, pendant que je récupère ça. Ah non, je pensais que c'était là en fait, mais non, c'est de... Wow! D'accord, je vois le genre. Eh, avec deux trucs. Je sais quoi faire. En fait, quel est le problème? Je sais que je suis capable. On a réussi? À court de temps. L'assaut du temple de bronze a provoqué un déferlement d'énergie temporelle dans toute la région. Les marcheurs du temps ont disposé dans cette forêt de collecteurs, des collecteurs afin de recueillir cette magie. Nous pourrons ainsi nous constituer un réservoir de puissance supplémentaire. Ce ne sera pas du luxe, étant donné le rythme effréné auquel cette crise épuise nos ressources. C'est moi qui suis censé les récupérer, mais j'ai besoin de souffler un peu. Pourriez-vous vous en charger à ma place? Récupérer 8 collecteurs temporels dans la forêt. Ok. Et... Ah, là on discute niveau matos. Là on parle. Oui, et j'avais pas récupéré un bijou, moi. Ça s'est plutôt bien passé. Bonne nouvelle. Excusez-moi.
Bonne nouvelle, le bâton de marchand. Non, c'est pas vrai, excusez-moi. Hein. Voilà. Bonne nouvelle, le bâton de marcheur du temps est intact. En revanche, il est complètement épuisé. J'ai une idée, l'énergie temporelle agglutinée à la faune sauvage de la forêt va nous permettre de le recharger. Mais pour ce faire, je crains hélas que nous ne devions battre les créatures affectées. Cette magie les rend dangereusement instables. Et tôt ou tard, nous aurons dû faire quelque chose pour réguler leurs effectifs. De toute façon, parfois il faut savoir faire des sacrifices pour servir l'intérêt général. Vous pouvez vous en charger. J'ai encore besoin d'un petit moment. Enfin, je vous attendrai dans les sables changeants. Bon. D'accord. C'est ça les collecteurs?